free? Here. No, I'm not a writer. Okay. Je suis allé faire un petit tour du côté du De La Ville Café. On m'a invité à assister à un shooting photo. Vous allez voir, c'est assez complexe. Je vais essayer de voler quelques images pour voir un petit peu l'ambiance qui règne sur ce shooting photo, la préparation, mais aussi tout le shooting proprement dit. Mais c'est une expérience à vivre. Là c'est en fait c'est le maquillage, tout ce qui est maquillage, donc ça va prendre un certain temps, mais c'est la préparation très très importante, toute la partie maquillage, donc il y a du monde, maquilleuse, coiffeur, etc., etc. Ça grouille. Là il y a toute la préparation en fait avec les petits gâteaux. Là-bas vous avez le maquillage également avec les lumières qui ont été installées. Il y a toute la préparation du décor ici juste là avec la mise en place des lumières. Ça prend quand même quelques bonnes heures je pense à mettre en place avant d'arriver à faire la photo. Ça avance sérieusement avec le maquillage, les petites préparations. Regardez. Voilà, ça prend un certain temps. Là, c'est les coulisses. Il y a une dame qui est en train de se changer, alors je vais peut-être pas y aller. Et puis voilà, le Baptiste qui est déjà prêt. C'est pas grave, je suis là pour ça, le fameux. Ça va assez loin quand même. Là, c'est l'heure de la mise en place en fait de la première photo. Donc, le photographe est en train de placer en fait les différents modèles, parce que vous avez remarqué, il y en a plein.
ça commence réellement à s'installer, à se mettre en place. Toute l'équipe est prête. Il y a juste encore à fignoler en fait les emplacements des différents modèles. Le shooting avance, c'est très dur de trouver une première pose avant d'attaquer les premières photos. Alors ça shoot un petit peu, mais c'est pas encore super au point. Et la photo que les photographes cherchent ne sera pas la photo qui sera faite dans les débuts. D'où le tâtonnement, etc. De trouver une pose, une autre pose, la lumière, une petite lumière par-ci, une petite lumière par-là, pour que tout le monde soit éclairé, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde pour le shooting, et c'est vrai que c'est pas évident. Bah moi je dis bravo. Le repas de midi est passé, enfin la pause est passée. Et maintenant place à la deuxième partie du shooting. Évidemment on monte l'escalier pour repartir. Et c'est là que ça se passe. De pause où les photographes regardent un petit peu ce qu'ils ont fait sur leurs écrans. Bah, apparemment ils sont contents, donc ça a l'air d'aller. Magnifique. Bon alors cette séance photo, comment ça se passe? Super, très chaud. C'est chaud, hein? Très chaud. Une grosse température, il doit faire dans les 30 degrés là, sur le plateau. Là, plus la chaleur que dégage. Plus la chaleur. Plus la chaleur que dégage Mao. Alors, ben voilà.
Et toi, tu carbures au whisky, toi? Au whisky. D'accord. Oui, il aime bien. Bon, bah, l'ambiance est plutôt sympa, n'est-ce pas? Nouveau tableau, cette fois-ci dans l'escalier. L'escalier que vous avez montré tout à l'heure. C'est la fin du shooting, ça y est, tout le monde s'applaudit après ce dernier tableau. Maintenant, retour dans les coulisses pour se changer, se démaquiller, ranger le matériel, et puis après, c'est fini. 3, 2, 1, Et bien voilà, c'est ainsi que s'achève ce shooting. On remballe les derniers, le décor est enlevé, les rideaux sont ouverts, chacun s'est rhabillé, chacun s'est démaquillé. C'est la fin d'une petite histoire, une petite famille qui s'apprête à se quitter. Et puis c'est vrai que c'est une expérience qui est vraiment géniale, je ne regrette pas de l'avoir vécu. C'est vraiment un autre plaisir de la vie de découvrir ça. Merci aux photographes qui m'ont accueilli, merci au De la Ville Café, qui est le lieu qui a accueilli également le shooting, qui est un lieu particulier et vraiment sympa, qui est quand même une ancienne maison close. Et il y a une ambiance un peu particulière, à la fois, je dirais, ancienne, moderne, et puis en plus pour ce shooting avec tous les costumes d'époque, avec beaucoup de monde, puisque je crois qu'il y avait environ 17 personnes sur le shooting. C'est une façon de profiter de la vie. N'oubliez pas, évidemment, on continue, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Abonnez-vous, bien évidemment, au Monde de Pierre, sur YouTube. Et puis, partagez. Et puis, je compte sur vos commentaires. Moi, je me ferai un plaisir d'y répondre. Salut à tous et à la prochaine vidéo. Et surtout, profitez de la vie. Profitez de la vie.